Oui. C'est le 8e volant que tu jettes par-dessus bord. S'il te plaît, fais attention. Je hais ce jeu. Mais puis tu ne t'appliques pas. J'aime pas m'appliquer. Si tu y mettais un petit peu du tien, eh bien tu serais un joueur de première classe. Je déteste le badminton. Bon, alors à quoi veux-tu jouer? Jouer à rien. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Pouille, qu'est-ce que tu as depuis 2 jours? Tu ne veux pas jouer, tu ne veux pas sortir, tu ne veux pas lire, tu ne veux pas dessiner, tu ne veux ni boire ni manger. Tu ne t'intéresses à rien. Tu refuses de sourire. Tu fais pas de plaisanterie. T'as une tête d'enterrement. Tu veux même pas me dire ce que tu as. Parle-moi, Pouille. Dis-moi ce qui va pas. Je commence à être inquiète. J'ai rien. Mais la vie, elle est pourtant agréable ici, non? Non, la vie, c'est une perte de temps. Et j'ai pas de temps à perdre. Pouille. Oui, je comprends pas pourquoi tu es de si mauvaise humeur depuis 2 jours, hein? Y a pas de raison. La vie, elle est belle. Toi et moi, on s'amuse comme des vrais petits fous. On dessine des histoires passionnantes, hein? Je vois vraiment pas pourquoi tu broies du noir. Je suis réaliste, c'est tout. La vie n'est pas si belle que ça. Frapper des volants n'est pas du tout amusant. Faire de la bande dessinée est très fatigant. Clément n'est pas venu me voir depuis 3 jours et je sais très bien que c'est parce qu'il ne m'aime plus. Totoche n'arrête pas de répéter que j'ai des grands pieds. Oh, je suis peut-être en santé, mais moi je dois me brosser les dents tous les jours. Ah, et puis j'aime pas la couleur de ce toit. Alors ce sont tous des bonnes raisons pour être de sale humeur. Donc je suis de sale humeur et je resterai de sale humeur pour le restant de mes jours. Et si tu avais 2 sous de bon sens, tu ferais exactement comme moi. Mais non. Comme tu ne portes pas attention à moi, tu voudras rester dans ta bonne humeur juste pour me contrarier. Mais enfin, Pouille. Mais non, tu penses pas ce que tu dis. Il y a pas 3 jours, tu disais que tu adorais notre petite ville et nos copains et tout et tout. J'étais aveuglé par mon optimisme. Maintenant, j'y vois clair. Et je resterai de sale humeur pour le restant de mes jours. Point à la ligne. Mais où tu vas comme ça? Nulle part, parce que j'aime pas aller quelque part. Ah, et j'aime pas cette trappe. Oui, mais ça, on s'en serait douté. Oh là là, quelle humeur, c'est la grande crise de pessimisme. Mais il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Non, il faut absolument que je fasse quelque chose. Ça peut pas rester comme ça. Et d'ailleurs, ça lui ressemble pas du tout à Pouille, cette mauvaise humeur. Que je ne croyais. Si je n'interviens pas vite, bientôt il va commencer à voir la vie en noir et blanc, ça c'est certain. Bon, eh bien, aux grands mots, les grands remèdes. La seule méthode vraiment efficace contre les crises d'idées noires, eh bien, c'est le rire. Oui, il n'y en a pas d'autre. Mais d'abord et avant tout, il faut évaluer le degré de mauvaise humeur du sujet. Comment évaluer la mauvaise humeur du sujet? Si le sujet n'a pas souri depuis au moins 24 heures et qu'il n'a d'envie pour rien, son pessimisme est au niveau 1. Bon. Pouille, regarde-moi que je t'examine un peu. J'aime pas les examens. Je l'aurais juré. Pouille, est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Non. Cependant, si le sujet exprime sa mauvaise humeur par des manifestations extérieures, sa mauvaise humeur est au niveau 2. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça, des manifestations extérieures de mauvaise humeur? Ah bon, très bien. Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair.
Bon. Finalement, vous saurez que le sujet a atteint le troisième niveau quand la vie lui apparaîtra en noir et blanc. Ce troisième niveau est le plus grave et le plus difficile à soigner. Bon, ben au moins, on n'en est pas rendu là, hein? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Tout est en noir et blanc! Mais où elles sont passées, les couleurs? Oh, je suis en noir et blanc! Nous sommes au troisième niveau! Où il voit la vie en noir et blanc? J'aime pas les couleurs! Mais c'est horrible! Oh, et j'aime pas les bulles! Et j'aime pas les crayons non plus! Oh. Y a pas de temps à perdre. Oh non, il faut que je trouve le remède contre la crise de mauvaise humeur et ça pas plus tard que tout de suite. Oui, mais évidemment, s'il en est rendu là, il va falloir que je sois drôlement amusante, moi, pour le sortir de ses idées noires. Bon, eh ben, allons-y. Faisons rire le sujet. Ouf, ça va pas être facile. Il a l'air aussi gai qu'une porte de prison. Oh, mais comment je vais faire, moi, pour le faire rire? C'est vraiment pas sérieux, tout ça. J'aime pas les gens qui parlent tout seuls. Oh. Bon, eh ben allons-y, je n'ai rien à perdre. Mais non, je ne peux pas le rendre de plus mauvaise humeur qu'il ne l'est déjà. Bon, allons-y. Oui. Quoi? Viens ici, s'il te plaît. Pourquoi faire? Ce sera pas long, c'est juste pour une expérience. J'aime pas les expériences. Oh, ça commence bien. Fais vite. Lève les bras. C'est tout? Il faut pas se décourager. Non, il faut être patient. Les résultats peuvent être longs avant de venir. Bon, je vais être patient. Oh, mais c'est que moi, tout ce noir et blanc, ça va finir par me déprimer. J'aime pas manger, mais j'ai faim. Ah, surprise, surprise, je t'ai bien eu, hein, mon petit pouit. On dirait que ça n'a pas marché. Alors tu vois, c'est un fou qui repasse au plafond. Et là, il y a un autre fou qui arrive et tu sais ce qu'il lui dit? Il lui dit, accroche-moi bien au pinceau, j'enlève l'échelle. Bon, eh bien je vois que t'amuses pas beaucoup ma blague. Hein. Bon, mais ça fait rien, j'en ai une autre. Oh oui, tu vas voir, elle est hyper bonne. Je la ris déjà. C'est l'histoire d'un éléphant qui rencontre une souris et tu sais ce qu'il lui dit. C'est encore moi, mon petit pourri, comment vas-tu? Oh, que la vie est belle! Et le ciel, tu trouves pas qu'il est splendide? Il est pas splendide, il est gris. C'est pourtant vrai, ça. Il est gris. Là, l'empêcheuse de bouder en rond. Chut! J'aime pas les oiseaux qui gazouillent! Comme ça, c'est moche à point. Tadam! Oh, oh oui, je savais que ça allait déjà beaucoup mieux, mon petit pourri. Ça va pas mieux et ça ira pas mieux. Pourri, reste un petit peu, nous allons jouer une partie de badminton. Ton, 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 ton. Non, tu es sûr que ça ne te dit rien? J'aime pas le badminton. Bon. Eh ben, il n'a pas envie de rigoler, le pouille. Bon, eh ben, tant pis. De toute façon, moi-même, je me demande ce qu'il y a de si rigolable. Bon, et puis, tiens. C'est vrai qu'elle est moche, la couleur du ciel, maintenant que je la regarde. C'est tout gris. Pouille, attends-moi, je viens bouder avec toi. À la bonne heure!
Oh oui, si avec ça mon petit pouille rigole pas, eh bien je veux bien gober mes godasses. Par ici les instruments. Tu viens bouder? Oui, oui, je viens tout de suite. Pas de blague, hein? Non, 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 que des idées noires et de la déprime, c'est promis. Je te préviens qu'à la moindre tentative de sourire de ta part, je m'en vais. Je bouderai tout noir, puis c'est juré. Farpé. Ça, c'est le gag le plus classique au monde. Et il ne rate strictement jamais. Aussi vrai que je m'appelle Fripp. Simple et efficace. De placer un seau sournoisement sur le haut de la porte en équilibre en laissant la porte tout aussi sournoisement entrouverte. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, il suffit d'attendre que votre victime veuille bien passer la porte et là, splouch! Oh, je suis un génie! Eh bien, maintenant, attendons que Pouille sorte. Et là, c'est le fou rire garanti. Fripp, je t'attends pour bouder, moi. Ça y est, il va sortir. C'est qu'il y a quelque chose de très étrange ici. Comment ça, étrange? Non, déprimant. Oui, c'est ça, très, très déprimant. Ah bon? De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais s'il n'y a rien à voir... Mais comment se fait-il qu'il ne soit pas tombé? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, et puis tant pis. Oui, c'est sans doute lui qui a raison. Pouille, attends-moi, je vais te rejoindre. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais le sang s'acharne sur moi. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tout ça m'arrive? C'est bien le moment de tomber. Tu as dit quelque chose? Non, j'ai rien dit, moi. Ah, mais si, tu as parfaitement dit quelque chose. Mais non! Oh, mais si! Mais non! Oh, mais si! Mais non! Tu trouves ça drôle, peut-être? Non, pas du tout, je trouve pas ça drôle. Oui, ça n'est pas drôle du tout. Je ris pas non plus. Tu te bidonnes comme une baleine.